Et salut à tous, soyez les bienvenus sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu God of War, donc c'est parti pour notre toute première série sur ce jeu. Je vais réaliser le let's play entier avec vous. Donc ça va être une très belle aventure, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai joué auparavant au God of War 3. Mais celui-là, je ne le connais pas, je connais juste quelques images et les appréciations qui ont été faites sur différents sites. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr. Et c'est parti. Donc, on se retrouve directement ici avec Kratos. On va couper un arbre, si j'ai bien compris exactement, avec R1. Donc, on va l'exciter. Ouais, on va la tailler quand même, ok. Génial. Ça y est, il est excité. J'ai activé les sous-titres, comme ça vous allez pouvoir suivre avec moi. Et on est parti pour la première cinématique du jeu. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Très bien, alors hop, donc il a coupé l'arbre au calme, il la met, il la porte tranquillement. Donc là, on vient de découvrir donc Atreus, qui est son fils. Donc voilà, c'est la seule chose que je sais aussi, je connais pas du tout ce jeu là. Je sais que l'aventure, on va la faire à deux, donc avec son fils Atreus. Atreus. C'est un jeu qui est très bien fait. Il a été noté quand même à 20 sur 20 par jeuxvideo.com. Alors c'est très rare. Très, ça suffira. Rare. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc là on va partir en bateau. Le voyage, les arbres marins. Descendre la rivière. Très bien. On est parti. Père. Quoi? Quelque chose a changé. J'ai l'impression... La forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Alors, c'est un jeu qui fait partie vraiment des exclusivités PS4 que j'adore. Donc, je me suis pris la PS4 très exactement pour faire certaines exclusivités qui m'attirent beaucoup. Dont God of War. Donc là, on a une putain de bûche badass qui porte ça au calme. Donc à mon avis, on va emmener ça chez nous. Donc avec Atreus, le petit bonhomme. D'accord. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à God of War. Mais vous pouvez me le dire dans les commentaires si je me trompe, bien sûr. Comment s'appelle Kratos, lui, est un demi-dieu. Si je me trompe pas. Issu d'une mère humaine. Ou non-dieu, je sais pas. Ah, donc lui, il a des facultés un peu irréalistes. Enfin, je sais pas comment vous le dire, mais c'est un demi-dieu. Et c'est bien pour ça qu'on voit cette force... C'était le dernier. Mmh.
Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Trouve les tiens. Tu es libre. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. Il t'a appris à chasser? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Donc, ok, là on vient de voir donc sa mère. Père, pourquoi on fait ça maintenant ? Sa mère qui est morte. Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après on ira vers la montagne ? Ça dépendra de toi. Allez. D'accord. Du coup, là, on va chasser donc avec le petit Atreus. Mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. D'accord. On va trouver, essayer de trouver donc ce cerf. Alors, on m'a dit surtout. Voilà, c'est bien ça ce que je voulais dire. Surtout, explore au maximum la map. Tu peux trouver beaucoup de choses. Attends. Tu as raté celle-là. On se rapproche. Mais c'est pas un cerf. Tu vois ? Le bout est trop large. Une chèvre sauvage, peut-être. Ta mère t'a bien appris. Ouais. Oui. Il est fort, le petit, hein. Ok. Alors,
Apparemment aussi, il y a certains endroits où je peux trouver des coffres. On va essayer d'explorer au maximum avant d'y aller. Voilà ce que j'avais dit. Ok, donc là, premier coffre. Oh là, d'accord. Ok, on a de l'argent. Donc ouais, là il y a quoi? Un bateau. C'est un... On va pouvoir améliorer. Améliorer notre équipement ainsi que la hache. Enfin, beaucoup de choses, je pense. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula. Et maintenant? Bah tu sautes, mon gars. Par ici, Atreus. Hop. Oh. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Ok, je te suis, t'inquiète. Ah, voilà le cerf. Ah oh, ouais. Ça, c'est du cerf, ça. Pas si vite, Atreus. Énorme. Désolé. Du coup, est-ce que tu chasses le cerf, quelque chose? Ce n'est pas une course. Oui, père. Non. Ah, là, il y a un autre coffre. J'ai essayé d'en avoir au maximum. Ça va me permettre au moins de début à avoir beaucoup de pièces. Par exemple, là, on a quelque chose. Il y a une corde. Enfin, une chaîne. Donc, à mon avis, on va pouvoir l'utiliser. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. Appuie sur OK. Ah, la hache. Ah, la hache. Ah, il va la jeter. Wow. Vas-y. Énorme. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est excellent. Ok, donc là, comme vous avez compris... Ah, attends. Attention. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier. Tu ne tires... Tu ne tires... que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Yes. Alors attends. Non, tu n'es pas prêt. Oh, sa mère, c'est quoi ce truc? Attaque rapide et attaque puissante. Rapide. On va les déglinguer. Ah, ils sont faits en lave, je crois. Je sais pas ce que c'est. Ils sont chelous, ces bonhommes, là. X pour esquiver. Vas-y. Ok. Ouais, donc on est dans le didactiel du jeu, donc on va apprendre un peu comment jouer, prendre le jeu en main, bien sûr. Ouais, c'est fini? Toujours pas? On a mis 22 XP. Donc, ah, c'est à. C'est un jeu à level. Ça ne dure pas si près de nos bois d'habitude. Avance. Alors, est-ce qu'on va aller tout droit? Je sais pas ce qu'il y a ici, là. D'accord. Tu crois qu'on a le droit d'être là? Un autre coffre. Fermé. Alors, ce coffre est scellé par la magie runique. Trouver et désactiver les trois sceaux. Ah, c'est ces trucs-là, là. Faut que je fasse quoi avec? Casser. Ok, d'accord. La deuxième. Et du coup là, le troisième. C'est ouvert. Yes. Allez, il a l'air badass celui-là. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Une pomme d'Aldun.
sont la nourriture privilégiée des dieux. Au total, 9 pommes sont cachées dans le monde dans des coffres scellés magiquement. Dès que vous en collectez 3, votre santé maximale augmente. Ok, d'accord. Pas mal, ça. Bon, on est à 1 sur 3. Donc, ok. En fait, je suis allé tout droit, mais je crois qu'il fallait à droite. À gauche. À droite, je crois. Là-haut! Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Ok. Elle est où ma hache? Oh merde, j'ai oublié ma hache. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Attends, ma hache, elle est où? Ah bah elle est là. Trop fort. Ok, on continue. Non, on est chassé plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. Ouais, d'accord. Bon, je le sens mal ici. Droguer! On peut rentrer ici? Non. Comment ça, drogue? Oh! Ok, en combat, la jauge de santé des ennemis apparaît au-dessus. Ok, comme d'hab. Allez, venez là! Bande de moche! Oh là là, on se calme! Tu vois, c'est fini. Ok. Ça sert à quoi, ça? Ah, c'est pour ouvrir la porte, je suis sûr. Yes. Elle se referme aussitôt. Et maintenant? Bah alors. Maintenez L2 pour viser et tirer. Je tire où? Ah, d'accord. Tu l'as figé. Yes. Ah, il y a un coffre ici. Le petit coffre. Il y a de l'argent dedans. Il n'en a plus l'utilité. Ouais, 605. Ah, quand même. Bon, on continue. On va le trouver, ce cerf, c'est pas possible. Ok, non, ça doit pas être, ça doit être par là. Père, regarde. Ça y est. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vie de ton esprit. Détends ton bras et inspire. Solide sur tes appuis. Ne bouge pas. Bien. On l'a eu easy. La pauvre bête. Il est encore en vie. Oh merde. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas.
tu roules, équilibre. On va vraiment le combattre. On n'a pas le choix. Bon, ça y est, on a de l'action. A plus, le carré pour donner à Atreus de tirer des flèches. Ok, L2 pour carré pour viser l'ennemi spécifique. Ok. Et là, c'est indiqué en bas à droite le nombre de flèches. Ok, allez. Oh my god. Ça commence chaud là. D'accord, dis-moi quand tirer. On esquive, on esquive, on esquive. Oh, catastrophe. On attaque, on attaque, on attaque. Enfin, bof, bof l'esquive. Hein. Esquive, 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 esquive. Yes. On va la voir, on va la voir. Oh là là, tu vas pas me niquer? Sérieux? Attends, 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 tu vas voir. Je suis là des points faibles, mais j'arrive pas à les... Je sais pas si ça joue. Oh, mais j'arrive pas à l'esquiver. En fait j'arrive pas à esquiver son deuxième attaque. Maintenant c'est bon. Oh là là, oh. Tu te calmes s'il te plaît, merci. Là, j'ai le coup de main. Maîtrise tes émotions, Atreus. Là, on va la voir. Là, on va la voir. Je le sens. Il est trop fort. Yes. Oh là là, comment c'est épique. Et hey, rigole pas, Kratos. Bien fait pour toi. Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? J'ai peur de personne. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Tu n'es pas prêt. Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait des preuves. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Génial, franchement, on commence avec du lourd. Je suis prêt. On tourne la maison. On commence avec du lourd, avec un bon petit troll. Alors on va explorer un peu aux alentours. Donc pour l'instant, ce que j'ai compris, il n'y a que ces petits trucs là pour régénérer la santé. Alors est-ce que je peux trouver autre chose? Non. Par ici, non. Ok, donc là notre mission c'est de retourner en arrière. Donc on va retourner à la maison. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour notre premier épisode. On fera la suite d'ici quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo bien sûr.
Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, au revoir.